J'aurais appris qu'un églisien, le monsieur que vous voyez là, douanier, a été suspendu pour 4 mois de ses fonctions et est interdit de ne plus arborer cette tenue pendant les 4 mois. Et on a vu une récente vidéo qu'il avait faite concernant Samuel Eto'o, il apportait son soutien à Samuel Eto'o et demandait à ses frères églisiens de faire beaucoup de bruit pour Samuel Eto'o. On va un peu d'abord écouter ce qu'il disait, hein, avant que je ne colle mon commentaire. Écoutons attentivement, je vous prends après. Pour les amis de Tola, moi je vous dis encore, vous ne pouvez pas être là, présent. On fait ça et tout. Pasteur, il faut aller pasteur, le copain. Cassez-moi même dedans, maintenant toi tu n'as rien dit. Maintenant tu n'as rien dit. Tout est dedans, ça c'est rien. Vous quittez là. Papa et tout, sort, pardon, man, qui est sorti. Sache que, au Cameroun, 15 millions de jeunes sont prêts à mourir pour toi. Je veux que tu le saches. Sors, papa et tout. Tibé Koundé. Là, quelqu'un long. Le long, il fait qu'à foutre. Sondé et tout, sondé. Tibé Koundé. Là, quelqu'un long. Le jour que tu as réunion, demande à tes fans de venir à la Fekafout. Donc, chaque fois que tu as réunion, demande à tes fans de venir à la Fekafout. Moindre erreur, nous, on repère dehors et on gère. On met tout le monde au pas. Cela doit s'arrêter. C'était bon comme ça. Que la première femme, plus jamais encore ça. Voilà. Vous avez bien compris, non? En fait, moi, je pense que c'est parce qu'il arborait la tenue. Parce que beaucoup ne savent pas que la tenue là, c'est l'État. La tenue là, c'est le gouvernement. Et quand on met cette tenue, il faut mesurer ses mots. Il y a beaucoup qui ont fait des sorties plus graves même que lui. Mais ils n'ont pas de problème. Mais quand vous mettez cette tenue, les gars, faites gaffe. Parce que c'est l'image. Parce que s'il était en civil, oui, c'est lui qu'on devait voir. Mais quand tu abordes cette tenue, quand tu portes cette tenue et que tu parles comme ça, ce n'est pas toi qu'on voit. C'est la douane qu'on voit. Et c'est l'État qu'on voit derrière la douane. Donc faites gaffe, les gars. Là, c'est une parenthèse. Mon frère Assia, bon, je pense que prochainement, tu vas un peu savoir. On ne t'a pas quand même exclu ou bien relevé de tes fonctions. C'est juste un avertissement. Et bon, ça peut arriver à tout le monde. Tu as fait peut-être ça sans savoir. Bon, vous voyez ce que je disais dernièrement. Que les gars sont là. Ils sont trop forts sur Facebook. Ils bavardent beaucoup sur Facebook. Mais quand ça te prend, la lecture de l'heure, c'est une place. Quand on a pris notre frère ici depuis là, vous avez vu que l'église s'est levée et dit que laissez mon frère, laissez. Mon ami, Facebook, hein, il faut vous méfier de Facebook. Parce que tout le monde vient bavarder sur Facebook. Quand ça te prend, c'est une place. J'ai vu certains. Aujourd'hui, quand tu soutiens Samuel Eto'o, c'est que tu es hibou, tu es patati, tu es... Quand tu es contre Eto'o, c'est plutôt maintenant que tu es Bamileke. Les Bamileke n'aiment pas Eto'o. C'est vrai que le tribalisme à tous les niveaux. Je ne sais même pas. On va se mobiliser pour signaler tes pages. Il faut lire tout ça dans les commentaires. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça, les amis? J'ai même vu d'autres dire que depuis que les problèmes s'y chauffent comme ça, le président de la République ne tranche pas ça, machin. Vous pensez que c'est facile comme vous pensez là, les amis? Vous pensez que c'est facile comme vous voyez là? Ce n'est pas facile. C'est comme dans une maison, un père a 2 enfants. Et les 2 enfants là aiment leur père. Le père lui-même aime ses 2 enfants. Les 2 enfants sont en conflit. Vous voulez que le père prenne position pour un enfant? Ce n'est pas facile comme vous pensez là. Si le père se lève et dit, petit frère, tu dois suivre le grand frère. Ou bien le grand frère, tu dois suivre le petit frère. L'un va dire, ah bon, donc c'est un complot entre vous deux pour m'écraser. Ok, d'accord. Dans ce cas, je vous abandonne même la maison. Il faut faire très attention. Nous avons face à nous le ministre des Sports et une légende de football. Quand on parle au football, le ministre des Sports est le petit frère. Mais quand on revient au Cameroun, on parle du gouvernement. Samuel Eto'o est également le petit frère. Maintenant, face à cette situation, qui est donc le grand frère? Et tous sont les enfants du président. Il ne peut pas donc se lever un matin et dire que, monsieur le ministre, vous allez suivre Samuel Eto'o. Il ne peut pas donc dire, Samuel Eto'o, c'est une procédure de négociation pour apaiser les cœurs, pour que personne ne se sente pas lésé. Le président joue son rôle, selon mon point de vue. Et quand je vous connais sur les réseaux sociaux, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous êtes en train d'entendre. Voilà. Donc,
Ce que nous sommes en train de vivre là, moi je pense que le président joue bien son rôle. Et c'est en train d'aller. C'est doucement, doucement, face à une situation pareille. Si tu viens seulement avec la dictature, que tu vas faire comme ça, ça peut cuire. Ça peut cuire. On sait bien que les deux ont donné, donnent leur soutien au président. Ce sont ses enfants, ses enfants l'aiment. Ses enfants l'aiment. Il faut donc aller mollo, mollo. Donc pour ceux qui disent que oh, on ne voit pas ça au Cameroun, hein, le président devait trancher ça depuis, machin. Si vous êtes à la place du président, vous allez faire quoi? Bon, si c'était vous le président, vous allez faire quoi? Appliquer la force, appliquer la... Non! C'est mollo, mollo. Ça va aller. Tout ce que nous on veut, moi, je ne suis ni ébou, ni églisien. Je vous ai dit ça tous les jours. Donc, moi, je ne joue dans aucun camp. Le camp qui gagne, ça va. Tout ce que nous on veut, fans du football, c'est la victoire. Ça veut dire que si Samuel Eto'o, si c'est le staff de Samuel Eto'o qui dirige les Lions et qui a la victoire, c'est bon. Si c'est le staff du ministre Noël Ekombi qui dirige les Lions et qui a la victoire, c'est bon. Parce qu'aucun des deux là, même si c'est n'importe qui gère, ça ne va pas payer mes factures. Si j'ai crevaison sur ma voiture ici, là, ça ne va pas, ils ne vont pas coller mes roues. Donc moi, je suis seulement là comme fan du football. Citoyen camerounais, passionné du football. J'admire les deux camps. Peu importe celui qui va gagner, ça ne change rien dans ma vie. Donc justement là, je fais mon commentaire comme j'ai fait. Et le reste, basta. Donc en attendant, on sait qu'il y aura une solution. Quelle qu'en soit la tombée de la nuit, on dit que le soleil, le jour finit par s'élever. Donc, on attend l'enfant et l'enfant va finir par naître. Même si c'est 24 mois, on sait que c'est 9 mois de grossesse. Même si l'enfant fait 24 mois dans le ventre, la femme va finir par accoucher et on va voir la couleur de l'enfant. Entre-temps, si tu es nouveau sur la page, abonne-toi, partage la vidéo et laisse ton point de vue en commentaire. Qu'est-ce que tu penses face à cette situation, face à notre frère qui est en train de lire l'heure? Qu'est-ce que tu penses? Entre-temps, grand frère Yako, du courage. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.